Ok, les snipers, on se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble eh bien une stratégie. Vous savez que je suis fan pour vous donner des stratégies, même si euh, il faut penser que ce n'est pas, pas ce qui fait tout la stratégie. C'est le mindset, je parle de tout. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé une stratégie avec l'Ishimoku. Alors, l'Ishimoku, vous savez que c'est mon bébé. Euh, je, je maîtrise l'Ishimoku comme euh, les pharaons maîtrisaient les pyramides. Et donc, je vais vous expliquer un peu dans cette vidéo ce qu'il en est avec une stratégie en day trading. Parce que le long terme, vous connaissez. Vous connaissez aussi euh, mon appétit. À utiliser Ishimoku sur du long terme, vous mettez en D1, vous attendez la cassure et vous pouvez vous placer. Vous êtes des feignants pour la plupart d'entre vous parce que vous ne souhaitez pas faire de l'argent à long terme. Pour moi, c'est la clé du succès, mais vous ne souhaitez pas. Vous voulez faire votre bif quotidien comme si, ça y est, vous êtes en trading, dans le salariat, vous attendez 30 jours pour avoir de votre paye, mais non, le trading, il faut faire tout tout de suite. C'est pas grave. Je comprends, moi aussi, j'ai été un enfant. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'il en est précisément avec l'Ishimoku, vous, vous allez voir, Ishimoku, pas grand -chose. Chose de complexe. Hein, les fumos coup, c'est pas c'est pas la chose la plus complexe. Mais il y a une chose qui est compliquée que vous ne faites pas. Je viens de dire, c'est d'attendre En trading, vous ne pouvez pas tout le temps trader. Sinon, vous perdez, vous cramez votre compte directement. Vous fumez votre compte. Vous venez pleurer et généralement vous recommencez après cinq minutes plus tard à mettre de l'argent sur votre compte. Toujours s'entraîner en démo, mais pas trop longtemps. Pourquoi Parce que après le, la démo il faut absolument se mettre dans les conditions du réel. Il y a, il y a des gens, c'est des monstres en démo, c'est des gigamères dans réel. Pourquoi Parce qu'ils n'arrivent pas à supporter le fait de jouer leur propre argent. Ça, faut travailler là-dessus. Premièrement. Deuxièmement, il faut attendre le bon setup. Vous ne pouvez pas trader tous les jours. Vous ne pouvez pas trader lundi, le vendredi. Généralement, c'est des journées un peu mortes. Vous ne pouvez pas trader quand il n'y a pas d'opportunité sur une paire. Ça ne sert à rien d'en avoir 28. Il faut en avoir que quelques-unes. Et je vais vous donner dans cette stratégie des leçons d'attente de patience parce que le succès vient de la patience et honnêtement si vous ne prenez que des bons setups imaginez-vous avoir euh, un compte sans perte vous serez déjà riche malheureusement les pertes ça existe en trading et il faut les accepter mais moins vous avez de pertes plus votre ratio de profit augmente c'est comme ça c'est la loi de Pareto si vous faites 80% de profit 20% de pertes vous êtes positif donc l'idéal c'est de limiter les pertes et de choisir les bons setups si à chaque fois que vous avez le ballon dans un match de foot vous tirez comme ça, un peu au petit bonheur la chance. Pensez-vous à les marquer Non, vos coéquipiers vont vous dire, au oh, poteau, à chaque fois que tu as la balle, tu tires. Non, vous attendez de construire la bonne opportunité. Okay, vous faites la passe à l'ailier l'ailier fait un centre à l'attaquant l'attaquant essaye de tirer, de marquer, de se démarquer et la bonne opportunité en foot fait un but. Moi, il n'y a pas 10 buts dans un match. Il y en a un, deux ou trois parce que les opportunités pour les créer sont complexes. C'est pareil en trading. La création d'opportunités en trading est ce qui fait vraiment le liquid gold de votre profit. Beaucoup tradent comme ça. Ils arrivent sur les marchés, chac, Ils essaient de checker. Fait une paire, ils se disent putain là c'est peut-être haussier. Euh, Vas-y, je me lance. C'est nul. C'est naze. C'est comme ça que vous perdez votre argent H24. C'est comme ça que vous êtes à la ruine. C'est comme ça que vous n'irez pas en vacances cet été. Et c'est comme ça que vous mettez votre famille en dette. Bon, je vais vous donner dans cette vidéo une stratégie. Mais cette stratégie, elle n'est pas magique. Il va falloir trouver les bonnes opportunités. J'ai l'impression que vous êtes avec moi dans le fond du terrier avec Alice au pays des merveilles. Les gars c'est la réalité. Et je vois beaucoup de commentaires qui disent, ouais, mais si c'était facile, tout le monde serait riche. Mais c'est ultra simple. C'est juste que tu cherches la complexité. Tu te prends la tête à chercher des opportunités, alors que quand un setup n'est pas bon, il n'est pas bon. Passe à autre chose. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose. Premièrement, je suis sur un graphique de M15, parce que l'Ishimoku peut être efficace en M15. Généralement, en H1, si j'y vais, en H1, ça va être beaucoup plus délicat de saisir des opportunités, parce que la tendance est visible avec l'Ishimoku. Regardez déjà, et on se met sur un petit de code. On se met sur USDJPY. USDJPY, c'est quoi C'est une paire qui a beaucoup, qui est beaucoup beaucoup marquée par les tendances. Pourquoi Parce que c'est deux devises très fortes. Et donc, quand l'une pousse, l'autre, elle se calme. Il n'y a pas trop de volatilité et elle est marquée simplement par les tendances. Si je vais en Day One, par exemple, vous voyez les tendances, c'est magnifique. Moi, USDJPY, pour moi, c'est une de, de, des meilleures paires parce que c'est une des moins volatiles et c'est une des plus safe. Regardez, par exemple, depuis le 9 février 2021, cette tendance ici, magnifique, on dirait le Bitcoin. Vous pouvez faire en l'espace de euh, 619 jours, 46 000 micro Okay. Vous pouvez scaler bien évidemment, vous pouvez mettre plusieurs, plusieurs lots, plusieurs positions au fil du temps, au fil de la tendance. C'est ça qui est magique avec le swing trading c'est que vous pouvez faire vraiment des choses absolument incroyables, mais vous, vous êtes encore aveugle et vous préférez rester dans votre scalping. C'est l'avantage de USDJPY. Vous voyez, quand le prix ici casse le nuage à la hausse et que le nuage grimpe, ça crée une tendance haussière. Simple. Imaginez-vous un monde. Où vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête et vous êtes sûr dans la tendance que vous n'allez pas perdre. C'est exactement le cas ici, c'est le cas en D1. Après, vous allez me dire Ouais, mais putain, 619 jours, c'est pas loin de deux ans, c'est beaucoup. Ouais, mais il n'y a pas de petit profit. Parce que en l'espace de deux ans, où étiez-vous il y a deux ans Nulle part hein vous étiez là, on ne sait pas trop ce que vous faisiez. Bon, là c'est la même chose. C'est-à-dire, pourquoi vous, vous ne traderez pas sur deux ans vous Préférez trader tous les jours. Vous, vous êtes salarié. Moi quand j'étais salarié, tous les 30 jours j'attendais ma paye. 30 jours c'est pas mal déjà. 30 jours, si je me mets en H4, est-ce que vous êtes prêt à attendre 30 jours C'est comme ça qu'il faut penser. Prenons 30 jours par exemple. 32 jours. La base de l'ishimoku c'est quoi Si le prix casse le nuage... On change de tendance. Rien de compliqué là-dedans. Okay un enfant de 6 ans peut trader les J'attends qu'ici ça casse mon nuage. OK J'attends la poussée. Et je me place à la correction. Je me place ici. J'attends. Regarde, là la tendance elle est haussière, elle est magnifique. Je suis en H4. Je passe un trade par mois. OK Je connais des traders qui le font, des excellents traders qui le font. On est à 26 jours. Si tu pars du principe qu'en tant que salarié, tu prends ta paye tous les 30 jours, faire un trade où ta paye peut venir en 26 jours, c'est raisonnable. Qu'en penses-tu? Non, en trading, il faut absolument faire son argent quotidien. C'est fou de penser comme ça. Mais pense long terme. Là, j'attends juste que le prix casse l'Ishimoku. J'attends tellement que je, vraiment je me place comme un sniper. 26 jours. Je suis à 7561 micro-pips. J'ai rien fait. J'ai même pas tracé de structure. J'ai juste attendu que le prix casse l'Ishimoku. Tu attends 26 jours. Tu le places en début de mois. Tu reviens, tu regardes tous les jours, mais tu ne places qu'une position. Et en fait, c'est ça que vous comprenez pas parce que vous êtes, vous êtes pas des snipers, vous êtes des PNJ toujours coincés sous le dôme, c'est que vous pouvez largement faire de l'argent simplement en trading. Il suffit d'attendre. Si j'adore ne voir que du bleu, OK, on m'appelle Goldfinger parce que je fume le gold, mais on pourrait m'appeler euh, Bluefinger parce que je j'ai toujours les mains dans le bleu. Le bleu, c'est le profit sur MetaTrader 4. OK. Qu'est-ce qui se passe ici Ici, moi je suis en M15. D'accord, je pourrais me placer en H1. D'ailleurs, je pourrais vraiment me placer en H1 parce que j'ai des tendances de quelques jours. Ok, on va on va on va rester sur du moyen terme parce que court terme ça fait chier tout le monde et puis le court terme c'est compliqué. Et là, on a le temps vraiment de voir les choses péter. Moi, j'attends juste la cassure. Je vais attendre ça, je vais attendre ça. Quand le prix casse le nuage, ça m'intéresse. Ok, je vais attendre ça, voir ce qu'il en est. Je vais attendre ça. Ok ce qu'il en est, je ne l'ai pas dit, mais je suis avec les Aenkanachi, ok Les Aenkanachi, c'est une manière de lisser le marché. Voilà, si vous avez du mal à lire le marché que vous êtes aveugle, je vous invite à mettre les Aenkanachi, ok Moi, je vais attendre ça, je vais attendre ça, je vais attendre ça. On voit qu'il n'y a pas que des bons setups, hein Je vais attendre ça, je vais attendre ça. Je vais attendre dès que le prix casse les nuages. Qu'est-ce qu'on voit ici On voit déjà qu'ici, le prix reste à fond dans le nuage. Et alors, si on, on pose les règles de suite, et c'est ce qui vous manque, c'est la discipline, si on pose les règles de suite et on se dit, j'attends que le prix casse le nuage et je me place pas avant là j'ai que des bons trades pourquoi parce que je me rends compte des choses je me rends compte qu'ici bah, tout ça j'attends alors je perds hein. je perds beaucoup hein. tant que j'ai pas joué j'ai pas perdu et je me place à la sortie du nuage ou alors à la correction boum je me place ici et je peux manger tout ça pareil ici je me placer là ou alors je peux me dire ah c'est une poussée Attendant la correction, il revient toucher, je peux me placer là. Et tout ça, je mange. Combien Ça, c'est en plusieurs jours. Okay c'est en 4 jours. 4 jours, 3500 micros. En day trading, on ne cherche pas la tendance, on cherche le retournement, mais vu que l'Ishimoku nous donne la tendance, on peut chercher la tendance dans le retournement. Par contre, on va pas laisser, ça reste du swing trading, parce qu'on ne va pas laisser notre position fleurir quelques heures, mais quelques jours. Moi, Pour moi, un trade à moins de 1000 micro pips, c'est un trade de merde. C'est pour ça que le day trading, pour moi, c'est bien, mais ça reste encore les miettes. Hein moi, je ne veux, les... veux pas la cerise sur le gâteau. Je veux le gâteau. Je veux la crémière, je veux la cuisine, je veux le chef cuistot, je veux Philippe et Chebest, je veux tout le monde sous mon commandement parce que j'ai envie d'avoir le fucking gâteau, la recette, le coffre-fort et euh, le, le cash du restaurant. Je veux tout avoir. C'est pour ça que je reste à long terme et que vous avez une mentalité infaillible à long terme parce que tain, vous prenez votre temps. Alors qu'en M15, bon, bah, vous pouvez chercher des opportunités au jour le jour, alors qu'en vrai, si vous attendez les opportunités. Sur, sur plusieurs jours, bah, c'est du pain béni qui vous est donné directement et la satisfaction de faire des bons trades avec ce pain béni est magique. Je me mouche. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de laisser tourner un trade pendant plusieurs jours, de le regarder fleurir et de, de voir que son analyse a fonctionné. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de regarder une opportunité fleurir pendant plusieurs jours de ne pas trader pensant que l'opportunité elle est biaisée et effectivement elle est biaisée donc votre analyse reste juste parce qu'une bonne analyse c'est pas une bonne analyse où on fait du profit que du profit une bonne analyse c'est une bonne analyse aussi où on arrive à éviter les pertes c'est ça un maître de guerre il sait quelle bataille prendre OK il sait quelle guerre mener ça à rien de se dire oui à chaque fois il faut que je fasse du profit du profit la course au profit elle va nulle part alors que si vous êtes devant votre ordi et vous arrivez à capter les bonnes opportunités des mauvaises vous dire non ça c'est une mauvaise ça c'est une bonne, ça c'est une mauvaise. Vous avez votre confiance qui grandit même si vous ne tradez pas. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années maintenant, quand j'étais salarié, je n'avais pas un euro à mettre en trading, mais je me suis dit je vais maîtriser le trading. Okay Et j'avais peur au fond de moi parce que je me suis dit bon, bah, il faut quand même que je me dépêche pour faire de l'argent, mais je n'avais pas d'argent à mettre. Est-ce que c'est une raison pour laquelle je ne tradais pas Absolument pas. Je me suis dit ah bon, Trading view, je regarde, je place mes positions, qu'importe, je n'étais même pas en démo, je ne savais même pas comment ça marchait, je voulais juste regarder ce qu'il en était. Je voulais juste poser mes yeux sur le marché, je regardais les choses et je me disais, ok, là ça va peut-être monter, ça descendait, ok, je note, habituer les yeux à voir. Tout simplement. Donc, ici, on peut manger ici. Là, j'attends. Donc, là, ça, 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 ça se place sur un support. Donc, on peut attendre, on peut quitter avant, on peut quitter là. Il n'y a, a aucun problème. On fait nos objectifs. Là, j'attends que ça casse. Ça ne casse pas vraiment, ça reste dans le nuage. Et là, je vois qu'il y, 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 y a du zigzag. Ça reste une zone de consolidation. Je peux me placer au plus bas et essayer de manger jusqu'à là. Mais on voit que ça ne donne pas grand-chose. Ce n'est pas, pas effectif. Quoi. Mais là, là c'est simple parce que c'est tellement évident que c'est en train de se créer en Chanel, en biseau, etc. Que à la fin j'ai la cassure, la cassure je l'ai entourée, elle est là. Je peux me placer ici, manger jusqu'ici, attendre, manger jusqu'à là. Après je sors parce que là je vois aussi que j'ai toujours mon support, voilà, donc ça, ça retouche. Enfin c'est une science exacte quoi, quasiment. Ensuite j'attends, ça casse, je me place là, etc, etc. Enfin, quand vous attendez les choses, pour moi ça paraît plus simple que de me précipiter sur du M15, etc. Mais simplement avec l'Ishimoku, on peut faire des choses vraiment abusées. On peut vraiment faire des choses qui méritent le coup d'être tradées. Enfin, je veux dire, si je me mets sur du M5, sur du M1, je trouve ça complètement claqué. Donc finalement, c'est simple comme bonjour. Il suffit d'être patient. Je sais que c'est votre mot préféré parce que je le répète H24, mais regardez, sans rien, j'attends que ça casse. Là, je vois un double bottom. J'attends que ça casse, je peux me placer ici, je peux manger, je peux quand même faire mes premiers profits, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que je vois ici Je vois ici que ça casse, je me place ici, peu importe, je peux me placer là, je peux me placer là, je peux me placer là. Je quand même, je mange. Et quand ça commence à se retourner, vous vous retirez du trade. Voilà, faites les choses doucement. Voilà les snipers pour cette petite stratégie, honnêtement, il n'y a pas plus à dire que. USDGPY honnêtement, il euh, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup beaucoup d'opportunités parce que USDGPY, ça reste quand même une, une paire avec beaucoup de tendances. C'est des marqueurs de tendance. je ne suis pas le seul à le dire. C'est intéressant et vous pouvez trouver vos opportunités de la journée. Vous pouvez trader en H1, en M15. Voilà, vous avez des super setups en M15. Vous voyez ici, là, ça, ça casse. Vous pouvez vraiment prendre... Euh, vraiment prendre les nuages, hein. vous avez juste à suivre le nuage. Pour moi, Ishimoku, ça reste un des meilleurs indicateurs qui est autonome et avec lequel vous pouvez toujours, toujours faire du profit. Donc, je ne veux plus vous entendre à ceux qui me disent Ouais, mais tes stratégies, etc. Arrêtez de chercher le Graal, ok Prenez ce qui existe déjà, regardez ces stratégies, faites les choses, regardez ce putain de marché, ce foutu marché, essayez d'apprendre à lire l'Ishimoku. Vous voyez que vous pouvez prendre la tendance et c'est par pitié. Arrêtez de trader en M1. Arrêtez de trader en M5, arrêtez le scalping, arrêtez toute cette merde, arrêtez de vouloir devenir riche overnight, vous êtes des enfants. Bâtissez, pour bâtir le capital, il faut regarder les choses à long terme. Je sais que c'est difficile de se projeter quand vous êtes des gosses, mais regardez les choses à long terme, regardez les choses à moyen, long terme, c'est là où vous allez pouvoir faire le plus d'argent. Ok Pas compliqué, surveillez bien votre money management, regardez bien les cassures et surtout, put... attendez les opportunités. Ne courez pas après le bus, attendez que le bus arrive. Pas compliqué, je passe ma vie à répéter. Si vous écoutiez tout ce que je disais, honnêtement, vous serez déjà richissime, vous serez sans doute plus riche que moi, vous serez plus riche que certains. Il suffit juste de patienter, d'attendre sur les marchés financiers la bonne opportunité. Okay Comme je vous dis, dans un match, chaque fois que vous avez le ballon, chaque fois que vous êtes en mesure de trader, vous tirez à 35 mètres, jamais vous marquerez. Par contre, si vous commencez à faire des passes, à analyser à, tactiquement ce qui se passe, techniquement, tactiquement ce qui se passe, faire la passe à Lélier, Lélier fait un central attaquant, l'attaquant met une tête, ok, peut-être qu'il va mettre une transversale une fois sur deux, mais à la fin, vous, a, vous aurez gagné le match parce qu'il va pouvoir marquer, c'est en se créant des opportunités qu'on arrive à marquer précisément la même chose en trading, et vous voyez qu'il y a plein d'opportunités, je vous dis une chose simple depuis, la, depuis le début de la chaîne, je vous dis... Quand le prix casse le nuage, vous tradez. Il y en a encore qui me prennent la tête et qui me disent « je comprends pas ». Ça, quand le prix casse le nuage, tu trades à la hausse. Quand le prix casse le nuage, tu trades à la baisse. Quand le prix casse le nuage, tu trades à la hausse. Quand le prix casse le nuage, tu trades à la, nuage, trades à la baisse. Qu'est-ce que tu ne comprends pas En fait, je pense que tu ne veux pas comprendre. Euh, sur des paires qui ne sont pas abusées, hein vous ne mettez pas sur du, du XAR machin, mettez-vous sur du USDJPY, sur du NSDUSD, mettez-vous sur des paires paye et vous allez voir que vous allez rapidement faire du profit. Mettez-vous en démo, restez pas trop longtemps en démo parce qu'il y a des gens qui sont monstrueux en démo, qui sont des absolus stressés en réel. Donc faites les choses proprement, efficacement et surtout regardez ces putains de graphiques et vous allez réussir. Parole de sniper. Ciao